Et salut tout le monde, c'est Aznet et je suis avec Alexandre pour la présentation de la saison 2 de Source Kingdoms. Hello Alexandre. Voilà. Bonjour Baptiste alias Aznet, mon cher coéquipier pour cette saison 2 de Source Kingdoms. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des règles de cette deuxième saison. Donc ça ne sera pas sans vous rappeler la première présentation des règles de Fallen Kingdoms, le jeu que j'ai inventé donc, et qui est donc Source Kingdoms, c'est un dérivé de Fallen Kingdoms, on vous apprend rien. Et donc on vous présente les règles tout simplement On leur parce qu'il y apprend a des... rien seulement s'ils ont vu la saison 1. Voilà, donc on fait une mise à jour des règles. C'est différent de la saison 1, donc c'est-à-dire que là on reprend pas la map de la saison 2 de Fallen Kingdoms, on reprend une nouvelle map avec des objectifs différents, un thème différent, et donc voici les règles. Restez, écoutez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des trucs très intéressants. Alors, tout d'abord, les équipes ont chacune couleur et ont chacune base prédéfinie de 23 x 10 cubes. Donc vous voyez, c'est plus un carré déjà. Vous allez voir que ça a une forme un peu spéciale puisque c'est traversé par une rivière. Chaque zone est traversée, chaque base est traversée par une rivière. Donc ensuite, nous avons les équipes qui n'ont pas le droit de poser des blocs à l'extérieur de leur base, mis à part de la TNT, les torches, les leviers, les fleurs, la redstone, les panneaux, des trucs comme ça. Donc il faudra pas tricher à ce niveau-là, n'est-ce pas Baptiste? Oh, ça va. Tiens, tu m'accuses de tricherie, je vais te faire sauter. Je ne t'accuse pas de tricherie, parce que dans l'épisode 8 de la saison 1, tu l'as volontairement mis en avant. Oui, Donc et j'ai même ensuite, fait un magnifique petit effet de voilà. montage avec deux fois du bruit. Exactement. Donc les équipes n'ont pas le droit de crafter des objets, sauf à l'intérieur de leur base. Donc ça, pareil, tu n'avais pas respecté cette règle. Donc les équipes n'ont pas le droit de détruire les constructions adverses à la main, c'est-à-dire à la main ou avec des outils, ils peuvent cependant utiliser des moyens explosifs pour le faire, comme les creepers, la TNT. Alors là c'est pareil, t'avais pas respecté ça non plus, t'avais utilisé ta pioche pour creuser dans mon sol et arriver dans ma dans mon, Mais dans mon je sol. rageais comme un fou, Donc t'avais c'est pas ma encore triché sur faute. cette règle. Je rageais comme un fou. Rassurez-vous, dans la saison 2 qui a été tournée, il ne l'a pas fait. Les équipes doivent impérativement construire les trois bâtiments imposés, donc avant de pouvoir attaquer la salle au trésor adverse. Donc ces bâtiments varient en fonction du thème de la saison. Donc par exemple, pour cette saison qui a un thème plutôt moyenâgeux, les bâtiments sont une tour, donc une tour, un donjon si vous voulez, une muraille de 5 de hauteur minimum, un puits et il y a un quatrième objectif qui est la construction d'un pont. Enfin, toutes les ressources ou les coffres doivent être déposés au même endroit, c'est-à-dire dans la salle au trésor. Donc, le but, c'est bien évidemment de prendre la salle au trésor adverse. Donc, Évidemment. et si l'équipe adverse prend et contrôle la salle au trésor pendant 1 minute, l'équipe a gagné. D'autant plus que maintenant, chacun des membres d'une équipe a 15 vies, et s'il les perd, c'est fini. Oui, c'est fini. Donc, comme c'est Mais du c'est 1 juste qu'on est contre 1 passé à 15, quoi. dans un premier temps, voilà, on est à 15 vies. Ensuite, les Où règles est-ce que de t'es? temps. Donc, jusqu'au quatrième jour, les équipes ne peuvent pas s'entretuer. Donc, on n'a pas le droit de se toucher, hein. Pas de touchement. Jusqu'au quatrième Comment jour. tu dis À ça? partir du quatrième jour, on a le droit de s'attaquer, etc. Mais pas d'attaquer la base. Pour cela, il faut attendre le septième jour et d'avoir terminé ses objectifs pour attaquer la salle au trésor adverse et la prendre. Et voilà. Et enfin, nouvelle règle également, à partir du 10e jour, donc si la situation n'a pas été débloquée dans les 3 jours suivant le 7e, enfin si la salle des coffres n'a pas été prise ou si le mec n'a pas perdu ses 15 vies, il y a la possibilité pour nous, qui sommes en 1 contre 1 au départ, d'invoquer une personne supplémentaire, un coéquipier, tout simplement. Donc vous verrez, si la saison arrive à plus de 10 épisodes, tout logiquement, vous verrez que on va faire du 2 contre 2 finalement avec une personne qui va arriver en cours de chemin, donc ce qui apporte quand même toutes sortes d'interactions, toutes sortes d'histoires, où il faut tout réexpliquer, où il faut s'organiser, où il faut faire des stratégies qui n'ont pas été mises en place depuis le début de la saison. Alors voilà. J'espère que je vous ai ennuyé. Comme ça, je vous invite à regarder tout de suite, même si c'est pas encore disponible, peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, Ce ne bah sera la pas suite. disponible. Non, parce que si on regarde la vidéo quelques semaines après, voilà. C'est vrai. Donc, Voilà. petit rappel pour les dates. Là, vous voyez cette vidéo. Si je viens d'uploader, eh bien, on doit être. On est dimanche. Je l'ai uploadé le même jour que l'épisode final de la saison
de la saison 1 de Source Kingdoms. Et le premier épisode arrive donc le mercredi. Il a bugué. Non, je suis là, mais je sais pas ce que tu... Ouais, en effet, je faisais juste un petit rappel des dates pour mes abonnés. Puis là, je me fais laminer en PVP. Eh bien, écoute, je crois que c'est tout. Ouais, bah à très bientôt et votez pour moi parce que je vais gagner comme d'habitude. Hein. Votez, vas-y. Pas. Votez. Oui, en plus, ils peuvent même pas voter, quoi. C'est n'importe quoi. C'est ta faute, c'est toi qui dis Montre ça. Tous ses amis là, parce qu'ils en ont marre, ils veulent aller regarder la saison 1 en attendant, voilà. Allez, ciao tout le monde.